Ça va? Ça va, vous allez bien? Minutes ago. Thank you.
Tweede busboek. Ah ja.
Thank you.
Ça va? Je déclare ouverte la séance des chambres réunies. Mesdames et messieurs, la Chambre des représentants et le Sénat sont assemblés ce jour en chambre réunie, conformément aux articles 90 et 91 de la Constitution, pour recevoir le serment constitutionnel de Sa Majesté Philippe, roi des Belges. La ministre de la Justice m'a communiqué un extrait du procès-verbal de la déclaration solennelle par laquelle le roi Albert II met fin à son règne et renonce définitivement au pouvoir constitutionnel qu'il détient en vertu de l'article 85 de la Constitution. Je vous donne lecture de l'acte d'abdication. L'an 2013, le 21 juillet à 10h30, nous, Annemie Turtelbaum, ministre de la Justice, à l'invitation de Sa Majesté le roi Albert II, nous sommes rendus au Palais Royal de Bruxelles pour dresser l'acte constatant la décision qui doit assurer l'accession au trône de Son Altesse Royale, le prince Philippe, prince de Belgique. Sa Majesté le roi Albert II, étant entré en compagnie de Son Altesse Royale, le prince Philippe, nous a prié, après s'être adressé à l'Assemblée et après avoir entendu le Premier ministre dans sa réponse, d'acter sa déclaration solennelle par laquelle il met fin à son règne et renonce définitivement au pouvoir constitutionnel qu'il détient en vertu de l'article 85 de la Constitution. De tout ce qui précède, nous avons dressé le présent acte en deux originaux dont nous avons donné lecture et qui resteront déposés dans les archives de la Maison royale de Belgique et dans les archives du service public fédéral de la justice. Heren, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat zijn vandaag overeenkomstig de artikelen 90 en 91 van de Grondwet in Verenigde Kamers vergaderd om de grondwettelijke eed af te nemen van Zijne Majesteit Philippe, koning der Belgen. De minister van Justitie heeft ons een uittreksel meegedeeld van het procesverbaal van de plechtige verklaring waarbij koning Albert II een einde maakt aan zijn regeerperiode en definitief afstand doet van de grondwettelijke bevoegdheden die hij bezit krachtens artikel 85 van de Grondwet. Ik geef u lezing van de akte van de troonsafstand. Ten jaren 2013, de 21ste juli, om 10:30. Wij, Annemie Turtelboom, minister van Justitie, hebben op uitnodiging van Zijne Majesteit koning Albert II ons naar het Koninklijk Paleis te Brussel begeven om de akte tot vaststelling van de beslissing die de troonsbestijging van Zijne Koninklijke Hoogheid, prins Philippe, prins van België, moet verzekeren, op te maken. Zijne Majesteit koning Albert II, binnengetreden in gezelschap van Zijne Koninklijke Hoogheid, prins Philippe, heeft na de vergadering te hebben toegesproken en na de eerste minister in zijn antwoord te hebben gehoord, ons verzocht een akte op te maken van zijn plechtige verklaring,
waarbij hij een einde maakt aan zijn regering en definitief afstand doet van de grondwettelijke macht die hij krachtens artikel 85 van de grondwet bezit. Van al hetgeen voorafgaat hebben wij deze akte opgemaakt in twee originelen, waarvan wij voorlezing gedaan hebben en die in het archief van het Koninklijk Huis van België en in het archief van de federale overheidsdienst justitie zullen blijven berusten. Hebben samen met ons getekend Zijne Majesteit Koning Albert II, alsmede de getuigen, le président de la Chambre des représentants, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, André Flahaut, de voorzitter van de Senaat, la présidente du Sénat, Sabine de Béthune, le premier ministre, de eerste minister, Elio Di Rupo, de vice-eerste minister, Pieter de Crème, le vice-premier ministre, Didier Reynders, de vice-eerste minister, Johan van de Lanotte, de vice-eerste minister, Alexandre de Croo, la vice-première ministre, Joëlle Milquet, la vice-première ministre, Laurette Onkelings, de voorzitter van het grondwettelijk hof, Marc Bossuyt, le président de la Cour constitutionnelle, Jean Spreutels, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Étienne Goutals, le procureur général près de la Cour de cassation, Jean-François Leclerc, le premier président du Conseil d'État, Robert Anderson. Dont acte, waarvan acte, de minister van Justitie, Annemie Turtelboom, le président du comité de direction du service public fédéral justice, Jean-Paul Janssens. Der Text dieser Urkund ist auch in der deutschen Sprache abgefasst worden. La séance est maintenant suspendue. De sitting ist nu geskort. Je prie les personnes présentes de rester assises. Ik verzoek de aanwezigen te blijven zitten. Als ze vertrekken roept, hè?
stop. Thank you.
C'est parfait, hein. C'est parfait. Président, voilà. Thank you.
Ça va? Content? Thank you.
ça va, je te dérange pas. Sire, c'est au nom de tous les représentants de la nation, en chambre réunie, et ce, en vertu de l'article 91 de la Constitution, que j'ai l'honneur de vous accueillir ici, au cœur de notre démocratie, pour ce fait marquant dans l'histoire d'un peuple et unique dans la vie d'un roi, la prestation du serment constitutionnel. Avec vous, nous nous souvenons que c'est dans l'émotion du deuil que votre père, Sa Majesté le roi Albert II, a renouvelé solennellement l'union des Belges et de la dynastie. Vandaag, 20 jaar later, zijn we bijzonder gelukkig dat op deze 21 juli 2013 de opvolger aantreedt van een koning wiens toewijding onwegbaar was, die het buitengewone vermogen had om compromissen te vinden in naam van het algemene belang. En wiens koningschap werd gedefinieerd door zijn voortdurende luisterbereidheid ten aanzien van eenieder. Door zijn oprechtheid en zijn natuurlijke geneigdheid de mensen nabij te zijn. Een koning die in alle sereniteit en in volle vrijheid heeft gekozen de troon van België aan u door te geven. We weten dat de geschiedenis van de landen en van de mensen die die geschiedenis schrijven niet meer stilstaat. We weten dat u ernaar zult streven er ten volle delen aan te hebben. Dat u het erfdeel van uw voorgangers zeer hoogacht en dat u eer verbindt aan de inachtneming van onze democratie, haar instellingen en haar regels. We weten dat ons vertrouwen in uw gehechtheid aan de waarde van rechtvaardigheid en solidariteit gegrond is. We weten dat het de waarden zijn van uw familie en dat uw streven is het tijdens uw hele koningschap oog te houden. Sire, depuis sa création, notre pays a toujours été une démocratie. Interrompue certes par deux conflits mondiaux, mais le principe n'a jamais été ébranlé. Cette capacité d'évolution et de progrès a traversé les années sans heurts majeurs. Qu'il se soit agi de problèmes économiques, de questions sociétales, ou de réformes institutionnelles, le roi, les responsables politiques et les citoyens, en concertation, ont toujours su trouver la voie du consensus et de l'équilibre. Malgré ou grâce à nos diversités culturelles, philosophiques et politiques, nous avons toujours trouvé le chemin du bon sens. Nous avons toujours fait preuve d'une capacité de pragmatisme et de réalisme solide. Nous y avons parfois, il est vrai, glissé quelques touches de surréalisme. Mais n'est-ce pas par ses particularités et ses audaces qu'à l'instar d'une personnalité, un pays s'affirme et grandit. La tâche d'un roi ne se définit pas uniquement par la sauvegarde d'un héritage, aussi illustre et respecté soit-il. Cette tâche, elle s'inscrit dans la modernité du temps présent, dans les promesses de l'avenir. België is vandaag met succes een federale staat geworden
en de ontwikkeling van Europa, waarin België een voortrekkersrol speelt, gaat voort. Doorheen institutionele hervormingen en maatschappelijke omwentelingen met emotie en passie, met oog voor het verleden en met inventiviteit, soms zeker en dan weer zoekend, groeit ons land verder, koppig en fier, enthousiast en optimistisch, hier in Europa en in de wereld. Sire, we willen u nu reeds danken dat u die toekomst beter en vanzelfsprekend zal helpen maken. Die vroegtijdige dankbetuigingen wil ik ook richten tot koningin Mathilde en de voltalige koninklijke familie. Een gevoel, een grote persoonlijke inzet, een diepe verknochtheid aan ons land en een aandacht voor elke burger zijn de grootste troeven van uw koningschap voor de edele taken die u vandaag op 21 juli 2013 ten deel valt. Au nom de tous les représentants de la nation, je m'en réjouis. Je vous félicite et je vous souhaite sire un long et très heureux règne. Namens alle vertegenwoordigers van de natie wil ik mijn blijdschap uitdrukken, u feliciteren en u een lang en gelukkig koningschap toewensen. Ik freue mich in namen alle vertreter der nation, Ihnen zu gratulieren und wünsche Ihnen, Majesteit, eine lang und glückliche Regenschaft. J'invite Sa Majesté le Roi à prêter le serment constitutionnel. Ik moge Zijne Majesteit de Koning uitnodigen de grondwettelijke eed af te leggen. Ik bid Zijne Majesteit den König, den Heid, auf die Verfassung abzulegen. Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. 'S Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Ich schwöre die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren. Majesteiten, Majesté, Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, ik heb zo net voor u
de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust. Deze eed is een plechtige belofte die de bijna 200 jaar oude vertrouwensrelatie tussen de koning en het Belgische volk hernieuwt. Je succède aujourd'hui à 6 autres rois, dont mon père, le roi Albert. Sire, pendant 20 ans, vous avez entretenu cette confiance en vous montrant, d'une part, proche de tous, chaleureux et profondément humain, et d'autre part, attentif et engagé dans l'exercice de votre responsabilité de chef de l'État. La reine Paola vous a secondé dans votre tâche tout en se consacrant plus spécialement à des domaines essentiels tels que l'enseignement et la culture. Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke, maar ook op gelukkige momenten begeleid. In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd. Wij zijn u daar dankbaar voor. Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir compter sur le soutien permanent de mon épouse, la reine Mathilde. Chère Mathilde, depuis de nombreuses années, tu t'es investie de tout ton cœur dans de nombreuses activités. Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen we vol vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land. Mesdames et messieurs, j'entame mon règne avec la volonté de me mettre au service de tous les Belges. Je travaillerai pour cela en parfaite entente avec le gouvernement dans le respect de la Constitution. Au cours des années écoulées, j'ai pu tisser des liens de plus en plus forts avec de très nombreux concitoyens. Je compte intensifier ce dialogue. De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken. Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van België is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid. De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten. Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen. De sterkte van België gaat ook uit van zijn deelstaten. Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale staat, de gemeenschappen en gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons mettre en valeur les talents de chacun. En cela réside notre génie commun, tel qu'il s'est développé tout au long de notre histoire. C'est un état d'esprit qui a façonné notre caractère et nos valeurs. Faire face ensemble aux problèmes les plus complexes, concilier les diverses aspirations, les intégrer sans qu'elles perdent leur originalité et leur force. Voilà ce qui a forgé notre inventivité et notre sens de la mesure. Mesdames et messieurs, ces valeurs qui nous animent ont guidé des générations d'hommes et de femmes avant nous. Par leur engagement dans la société et dans la politique,
ils ont assuré à notre pays un niveau élevé de prospérité et de solidarité. Ils ont offert à la fois un cadre solide pour entreprendre et une sécurité sociale efficace. De crisis treft veel van onze landgenoten. Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden. Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen. Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen. We zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan. Tijdens mijn zendingen naar buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van België onze talenten en onze sterktes wereldwijd gewaardeerd worden. Dames en heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap. Ik zal in België en in het buitenland al deze kwaliteiten ondersteunen. Meine Damen und Herren, es ist in diesem Geist, dass ich während meiner Regierungszeit handeln werde. Ich werde alle diese unsere guten Eigenschaften mit allen Kräften in Belgien und im Ausland fördern und unterstützen. Mesdames et Messieurs, c'est dans cet esprit que j'agirai durant mon règne. Je soutiendrai en Belgique et à l'étranger toutes ces qualités qui sont les nôtres. Donnons tous ensemble à notre pays un nouvel élan d'enthousiasme. Es lebe Belgien, leve België, vive la Belgique. Sire, voortaan oefent u overeenkomstig artikel 85 van de Grondwet als zevende vorst van België, koning Philippe, de grondwettelijke functie van koning uit. Par le serment que vous avez prononcé devant les chambres réunies, vous scellez une union, de plus l'alliance conclue entre notre dynastie et le peuple. Vous prenez l'engagement de servir votre pays et de faire œuvre de solidarité. Relevons le défi et unissons nos forces à tous les niveaux pour construire une société tolérante et démocratique. Au nom des chambres fédérales et de toute la population, je vous souhaite de tout cœur beaucoup de succès dans l'accomplissement de la mission que vous avez acceptée. In naam van de Verenigde Kamers en namens de hele bevolking wens ik u van ganse harte veel succes bij de uitoefening van de missie die u hebt aangenomen. Sire, u bent het nieuwe gezicht van het land. Met u en uw echtgenote, koningin Mathilde, treedt een nieuwe generatie aan, met jonge kinderen. Dankzij hen staat u met beide voeten in het echte leven
en kent u de vreugdes, maar ook de kleine en grote zorgen die de gezinnen in dit land dagelijks beleven. Met vertrouwen kijken wij uit naar de manier waarop u uw koningschap gestalte zult geven. Wij weten dat u uw functie met grote toewijding en op een eigentijdse manier zult vervullen. Wij wensen dan ook dat u en uw echtgenoten tot bruggenbouwers mogen uitgroeien. Sire, nous sommes à l'aube d'une nouvelle étape. Puissions-nous puiser dans cette cérémonie toute la force et la fierté nécessaires pour continuer à bâtir ensemble l'avenir de notre pays riche de toute sa diversité. Mit dem heutigen Tage fängt ein neues Zeitalter an. Möge die Gefühle der Kraft und der Stolzes, die wir bei dieser Feier empfinden, uns dazu einleiten, gemeinsam die Zukunft unseres Landes weiter zu gestalten. Mag ich nun iedereen versuchen, recht zu stehen für das nationale Volkslied und die europäische Hymne.
vriendelijk vragen om nog even in de zaal te blijven. De Palais de la Nation. Mag ik u vragen om daar al te wachten? We zullen u teken doen. En ik wil u heel, heel hartelijk danken. Heel hartelijk danken voor uw warme aanwezigheid.
Oui, c'était la première vitesse. On va le passer déjà. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Thank you.
Monsieur.